Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé, avec ce soir Christophe Alenec, Caroline Diamant, Christine Bravo, Sophie Agarel et Stevie Boulet et Stéphane Coquerin. J'allais vous oublier, mon petit Stéphane. Non, alors, vous ne pouvez pas mon fauteuil est cassé. Ah bah, voilà autre chose. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est à cause de ton gros cul. Oh, ça va, mon cul, c'est quand même pas un continent. Quand je m'assois, le fauteuil s'abaisse. Oh bah alors, voilà un événement dont la terre entière va sûrement parler alors. Alors que mon derrière devrait le faire remonter. Mon Dieu, mais où on va? Où on va? Dans justement, vous allez où ce week-end? Je suis sur Paris. Bah, zut, alors on devait aller au Mans avec Christine ce week-end, alors voilà. Hein? C'est pas vrai. Ben oui, on serait passé chez Stevie, alors c'est couillon. Ah bah ça nul Florence Foresti. On rêve de voir votre Joconde depuis qu'on l'a vu dans... Tu sais quoi? Il y a un quart de Japonais... Ouais. Venus dans tes chiottes? Non, qui sont venus sonner à la maison pour prendre la Joconde en photo. C'est pas vrai. Je te jure sur la vie de ma mère. À cause de l'article. J'ai même des photos, je crois pas. Sur la Bible. C'était quand? C'était hier. Hier. Et aujourd'hui, on est quelle date aujourd'hui? Aujourd'hui, on est vendredi. Vendredi quoi? 1er avril. Et ces Japonais qui sont venus chez vous, vous n'êtes pas dit ça pourrait être un 1er avril? C'est vous qui les avez envoyés? Non, mais regardez les images de Stevie recevant des Japonais chez lui. Bonjour, Bertrand Altman au Mans. J'ai testé la Joconde chez Stevie Boulet. Stevie connaît, mais qui Joconde? Bonjour, monsieur Boulet est là. Il vient de se lever. Il vient de se lever. Attendez, je vais voir. Oui, merci, vous êtes gentil. Bonjour, je m'appelle Bertrand et je fais partie de Japan Aéroport. Je vous présente monsieur Boulet, Stevie Boulet. Bonjour. De toute façon, on ne vous dérange pas longtemps. Vous êtes où? Elle est chez moi? Si ça ne vous ennuie pas, oui, parce que, en fait, l'ambassadeur du Japon en France a vu votre intervention à la télévision concernant la Joconde et il l'a vraiment apprécié. Et comme vous savez que Jacques Chirac est avec le président du musée du Louvre là-bas, donc ils ont envoyé ces gens. Venez voir. Dis-là, d'accord. Mona Lisa. Selon la méthode consacrée de Léonard de Vinci, nous avons le Smutaro, qui est un système pour pouvoir imiter la peau d'une manière absolument merveilleuse. Stevie, elle veut une photo avec monsieur Star. Stevie. Oui, il n'y a pas de problème. Oh, c'est magnifique. La Joconde va rester couchée avec vous combien de temps encore? Elle reste là. C'est pas la vraie, hein. C'est une copie. Monsieur Stevie, mes amis demandent, vous aimez les femmes japonaises? Plutôt les hommes japonais. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une photo de tout le monde devant la Joconde avec vous? Oui. Est-ce que c'est possible, oui, ça? C'est oui. Attends, Aude, tu peux prendre mon appareil photo qui est sur la cheminée, faire une photo. Ouais. Je te jure, je fais pas ça, on a tout essayé. Ça va passer à la télé. Hein. 1er avril. Je suis fait avoir. Et jamais un instant, j'ai pensé que ça pouvait être nous. Mais non, pas tout de suite. Pas tout de suite, pas du mais tout. Mais tu te crois connu par des Japonais? Mais non, je sais bien que je suis pas connu. Moi, en tout cas, sincèrement, eh bien, Stevie... Attends, mais je suis signé. Stevie. C'est la première fois qu'on me signe les pattes comme ça. Moi, je te fais rarement des compliments. Mais en tout cas, je connais peu de personnalités connues, des gens qui font la télé et tout, qui auraient ouvert leur porte comme ça. Ça montre que tu es un vrai mec gentil. Oui. Et bravo. Oui, ça c'est vrai. Bon, Christine, maintenant, vous ne vous souvenez pas d'un truc qui vous est arrivé il y a 2 jours? Oh là là, non. Ça calme. Moi, non. Moi, rien. Ah. Cherchez bien. Au nom de Dieu. Vous feriez mieux de vous taire. Oh non. J'ai rien fait, moi. Non, on a piégé que Stevie. 1er avril.
J'ai quand même des doutes. On remercie Frédéric Gilbert qui a réalisé cette caméra cachée. Je suis content du délai. Il a bien réussi son coup. Ouais. Bravo, merci. Et bravo Stevie. Allez, ça passe à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. Et on commence avec Le Fred Touron dans Le Canard Enchaîné qui nous emmène au Japon où le couple Chirac était en visite cette semaine. Et on voit Monsieur Chirac caresser un sumotori et Bernadette qui lui dit « Un peu de tenue, mon ami, vous n'êtes pas au salon de l'agriculture. » Camus est aussi revenu sur le voyage présidentiel au pays du soleil levant et il nous fait cette révélation. Voici le fils caché de Chirac au Japon, c'est Rafara en sumotori. On passe au référendum sur la Constitution européenne avec Charb dans Charlie qui nous montre le président Chirac ainsi que François Hollande, victime de l'arrivée du printemps. Il se mouche, il pleure, ce sont les allergies et c'est le nom qui pollinise. Un point sur les derniers sondages avec TNews dans le même journal. On voit des tas de gens avec des affiches. Non, je n'ai pas lu la Constitution européenne. Non, je n'ai pas lu la Constitution européenne. Seulement un petit oui, j'ai lu la Constitution européenne. Et oui, le non vraiment est en train de progresser. Christophe, pas de commentaires, ne dis rien. Nous ne dirons rien, nous sommes des gens ouverts, Madame tolérants. Madame Ségolène Royal, qui était sur ce plateau hier soir, nous a vraiment convaincus avec ses arguments pour le oui. Je dois dire, Christophe, c'est dommage que vous ne fussiez point là. Ah oui, ouh, mon Dieu. Quel langage. Oui, c'est dommage que je ne fûte pas là. Un autre dessin sur le référendum avec Delambre dans Le Canard Enchaîné qui nous montre Raffarin faisant campagne pour le oui. Oui, sauf que c'est l'épouvantail, Raffarin. Ça... Moi, je trouve que c'est un dessin plein de poésie parce qu'il nous parle d'un temps qui est passé, parce que maintenant, dans nos champs, dans nos campagnes, on ne voit plus d'épouvantail. C'est vrai. Je sais pas, c'était beau. Mais ça n'a jamais cessé. C'était beau. Mais va à la campagne. Attends, c'est pas un mec qui reçoit des Japonais chez lui qui va me donner des leçons. Dans Le Canard Enchaîné, toujours, le dessinateur Brick détourne le fameux tableau de Munch, le cri, sauf que c'est le cri du non qui panique les partisans du oui. Regardez. Ah! La semaine dernière, Le Canard Enchaîné nous révélait que Nicolas Sarkozy aurait été mis sur écoute par le camp chiracien. Et d'ailleurs, Antonelli, le dessinateur, nous le prouve dans Marianne. Ce sont les rasoirs qui sont mis sur écoute de Sarkozy puisqu'il se rase en y pensant. Je comprends pas pourquoi on met Sarkozy sur écoute. Il est déjà partout, à la télé, à la radio, vouloir l'écouter. En plus, il faut être vraiment con. Dans Le Parisien, le dessinateur Rançon revient sur le fléau de l'absentéisme à l'école et on voit un gosse qui dit aux autres « Faut pas manquer l'école, sinon tu ne pourras jamais apprendre à lire et à écrire et tu ne sauras jamais imiter l'écriture de tes parents pour remplir les mots d'absence. » Vous avez dit... Jamais, moi jamais. Vous jamais imité la signature de jamais vos parents. Jamais je n'ai imité la signature Stevie de mes parents. Jamais. Christine. Sur des chèques, moi. Moi, je l'ai jamais fait, je le jure, sur la tête de ma femme. Ah non. Mes parents ne savaient pas écrire. Et on termine avec un redoutable jeu de mots servi par Philippe Gueluc et son chat dans le VSD. Enfin, il n'y a pas le chat dans ce dessin, mais on voit quelqu'un qui dit « Je suis le duc de Nevers !» Et l'autre qui dit « Revenez dans une demi-heure, il n'est que 8h30. » Le livre du vendredi auquel s'est intéressée Sophie cette semaine s'intitule « Les cinq tentations de Thomas Kloster ». C'est le nom du nouveau roman de Luc Girer, paru le 3 février dernier chez Albin Michel. Luc Girer, vous ne le connaissez peut-être pas bien, c'est pourtant un romancier, un scénariste, auteur, metteur en scène de théâtre. Il a sa propre compagnie. Et Sophie Garay, vous avez lu son livre pour nous en parler en sa présence. Voici donc Monsieur Luc Girer. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que vous écrivez à tout va. Ça c'est votre quatrième roman en tout cas, Les cinq tentations de Thomas Kloster. Sophie l'a lu pour nous, alors Sophie vous démarrez. Alors c'est l'histoire d'une grande et profonde amitié entre deux garçons qui se connaissent au collège, deux adolescents. Il y en a un qui vient d'un milieu plutôt aristo, un bon chic, bon genre, et l'autre qui a l'air dès le départ, qui semble un peu marginal. Il dit qu'il a une mère qui fait la pute pour lui payer des études, et en fait sa mère est une grande héroïne de la résistance. Mais il a un certain charme, il est sympathique, il est séduisant, et en fait il fait des choses que l'autre, un peu coincé bourgeois, aimerait faire aussi. Ça le titille.
fille aussi. Alors au début, ils fichent la pagaille partout, ils vont dans des rallyes où l'autre l'entraîne un peu chic. Des rallyes mondains, Des rallyes mondains, ils lui présentent des filles. Le gars, il prend des râteaux avec toutes les nénettes. Il y a des pages qui sont extrêmement drôles. La première fois où le narrateur essaie de lui présenter une fille, de lui mettre entre les pattes, enfin il la met là où il veut, mais enfin, c'était surtout là. Le gars l'amène au cinéma pour essayer de la coincer, de lui mettre une petite papouille. Ils vont voir Love Story et il s'aperçoit qu'en fait, il est beaucoup plus pris par le film. Donc, c'est un gars qui est idéaliste, qui va jamais être dans la marche du temps. En fait, le titre, pour tout vous dire sur le titre, Les Saintes Tentations de Thomas Closter, c'est cinq gonzesses qui l'ont largué, en fait. Ah. Et il ne s'en relève jamais. À chaque fois, il a une blessure en plus, et à chaque fois, il fait payer au prochain le mal et le chagrin qu'il a eu. C'est un gars qui est en quête d'amour absolu, malgré toutes ces folies qui lui traversent l'esprit, parce qu'il va jusqu'au crime. On lui pardonne beaucoup de choses tant qu'il est adolescent. Le problème, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai envie de le prendre entre deux murs et de le frapper, parce qu'il devient complètement insupportable en vieillissant. Il demeure un éternel adolescent, il devient terroriste en Corse, il fait n'importe quoi, jusqu'au moment où il tombe vraiment amoureux d'une nénette avec qui il s'établit, il a un enfant, une passion folle pour cet enfant évidemment, mais ça ne peut pas marcher avec Salade non plus. Et ces garçons se séparent, ces deux garçons, cette vraie amitié, ils se séparent, ils se retrouvent, à chaque fois qu'ils se retrouvent, l'un est sous l'emprise de l'autre, mais l'autre a besoin aussi de l'autre, c'est une histoire d'amour, une vraie, véritable histoire fusionnelle, ils sont obligés, ils sont dépendants un peu l'un de l'autre, mais... Pardon de vous dire ça, c'est la première fois que je ne comprends pas tout à ce que vous racontez, non, Sophie. Parce que c'est assez touffu, c'est très riche d'événements. Et c'est pour ça que ce bouquin vous tient en haleine jusqu'à la fin. Ah. C'est un bouquin extrêmement passionnant, avec de l'humour, avec de la force, avec de la résistance, et avec en même temps ce côté qui vous titille, qui vous énerve. Moi, il m'a énervé ce bouquin, mais il m'a énervé dans le bon sens. C'est-à-dire, j'ai eu envie d'aller jusqu'au bout et savoir si ce garçon, à un moment donné, il allait s'en sortir et se mettre un petit costume croisé bien propre pour vivre dans la vie normale. Donc, c'est un bouquin qui est irritant, et irritant dans le bon sens du terme. Ça vous gratte, ça vous chatouille, mais ça vous... Vous avez, mais ça, quand ça vous grattez, quand vous chatouille. Hein. Oui, oui. C'est un bouquin pas facile à résumer. Pas facile à résumer si on essaie de le prendre par le petit bout. Et en effet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se succèdent. Maintenant, comme Sophie a essayé de le faire en partant du principe qu'il y a cinq tentations, cinq femmes qui tourniboulent la vie de ce pauvre gars... Qui était déjà bien abîmé avec cette amitié entre ces deux hommes qui permet... qu'il conserve une forme de droiture pour pas crever tout de suite, si jamais il crève, voilà. Il y a Christine qui va intervenir tout de suite. Je suis tombée dans la chronique littéraire de Patrick Besson qui dit que vous avez rangé les filles en quatre catégories. Alors, les sardines, c'est-à-dire les pas belles et pas intelligentes. Pourquoi les carpes, pas belles mais intelligentes. Les truites, belles mais pas intelligentes. Et les raies manta, belles et intelligentes, évidemment, ce qui est mon cas. Évidemment, mais vous savez, quand vous allez aller dans des foires littéraires et tout ça, c'est que ça que vous allez voir, ces filles-là. Des raies manta ou des sardines? Mais tout ça, c'est votre lectorat. Eh oui, mais bah, êtes... tout, là. Il y a toutes les femmes, donc ça veut dire que son lectorat est très vaste. Tu t'es trouvé là-dedans? Bah écoute, je sais pas, vous en pensez quoi? J'ai rien dit. De prime abord, je crois qu'on est environné que de raies manta. Bien sûr, il n'y a que des raies manta ici. D'ailleurs, Sophie, qui est la troisième tentation... Il peut y avoir des grosses raies manta, d'ailleurs. Je suis la troisième tentation, oui. Ça aurait pu être sans problème. Il peut y avoir des raies manta avec des ongles de Barbie. D'autant plus belles et d'autant plus intelligentes. Si d'ailleurs, c'est des grosses raies manta. La raie manta est enveloppée. Hein. Quelle est la part autobiographique dans ce roman? Alors Elle existe d'une certaine façon, parce que j'aurais sans doute aimé être un Thomas Closter, mais je ne suis pas suffisamment fou, être un Albert, mais je ne suis pas suffisamment intelligent. Donc je suis un mélange des deux, mais je crois qu'on est tous là. Et s'il y avait un thème dans ce bouquin, ça serait nos tentatives tout le temps avortées, d'essayer d'être une personne alors qu'on est pris entre des envies tout à fait diverses. Parce que ce qui est intéressant, c'est que chacun a envie d'être un peu l'autre, ou de prendre un peu de l'autre. On veut être toujours un autre. Oui, ça c'est très difficile. Pocra. Moi, j'aurais voulu être vous, Laurent. Mais... Et je vais vous dire, je vous comprends. Ouais. Ça vous tente, Stevie? J'aime bien déjà le titre. Ah, c'est pas, l'amour, ça, j'aime bien. Quand ça parle d'amour, même si on se relève pas, j'aime bien quand même. J'aimerais quelqu'un, tu sais, qui m'aime comme un chien. Tu lui dis, assis, assis, tu vois. C'est... Mais non, mais... Pas c'est comme vraiment... ça. Ah, il aime l'amour. Non, 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 oui, je me trompe. Il y a des clubs pour j'aimerais... ça. J'aimerais... Non, non. Ce que j'aime dans l'amour, il c'est quelqu'un qui t'aime. Un homme, un mec, quoi. Comme une fille qui t'aime comme un chien, comme quoi. Fille, parce qu'un une... chien, c'est hyper fidèle. Un chien qui vous japonais. Et... Oh.
Christophe. Alors j'en profite, puisqu'on parle de livres, pour vous donner des nouvelles de Françoise Malégeorie. Françoise Malégeorie est venue dans l'émission le 11 février 2005, vers 19h. J'en ai profité pour lui glisser subrepticement le premier roman d'un auteur. Elle m'a juré à ce moment-là qu'elle allait le lire. Effectivement, le 4 mars de la même année, voilà-tu pas que je reçois un courrier de Madame Françoise Malégeorie. Oh. Ah non. Oh non! À ce moment-là! Non! Quelle n'est pas ma surprise de voir que Madame Malégeorie a lu le roman et rapidement et en entier. Elle émet quelques critiques, mais me dit qu'elle veut en savoir plus sur l'auteur. Aussitôt! Je lui envoie un CV et des nouvelles que cet auteur avait déjà écrites. Et depuis, le trou noir. Alors je m'adresse à ceux qui ont kidnappé Françoise Malégeorie. Relâchez-la, s'il vous plaît, afin que cette histoire finisse bien, qu'il y ait une rencontre entre l'auteur et l'éditeur, et qu'un bébé naisse. À livre, en tout cas. Et si vous me disiez maintenant que vous n'étiez que romancier, en dehors de ce que vous écrivez à côté, est-ce que vous feriez partie de la France d'en haut ou de la France d'en bas? Est-ce que vous seriez érémiste ou plutôt piscine avec vue sur la mer? Écoutez, tout le monde dirait piscine avec vue sur la mer, t'as la masse ou quoi? Mais non, c'est toi qui as la masse, t'as pas compris la question. C'était pas la question. Comme j'ai sorti mes plus beaux habits, vous voyez que je suis France d'en bas. C'est une truite. Barbieuse. Ah oui, Barbie. Alors... Oui, bah écoutez, vous avez raison, c'était mon fantasme de la semaine, je voulais jouer à Barbie Pouf. Et vous m'avez reconnue, je suis ravie. Non, moi, il y a quand même une chose qui m'intrigue. Dans les métaphores que vous faites entre les poissons et les femmes, la Raymanta, c'est quand même un poisson qui tue. Ouais. C'est donc quelque part, en tant qu'écrivain, une femme belle et intelligente, pour vous, c'est une femme qui est mortelle. Non, je voulais vous dire, je ne suis pas mortelle. Voilà. Vous me rassurez. Je suis surpris. Vous qui partagez avec moi cet amour de Venise, que vous ne me parliez pas du passage. Parce que c'est un petit épisode. Or, là, il y a plusieurs paysages. Parce qu'il fait voyager aussi, alors, ce bouquin. Il fait aussi voyager. Il se déplace beaucoup, ce Thomas. Il va partout. On le retrouve là où il ne doit pas être. Et même, à un moment donné, il triche en envoyant des cartes postales du monde entier pour faire croire qu'il est à travers le monde, alors qu'il est planqué quelque part. Vous avez fait ça, déjà? Non. Vous n'avez jamais fait ça, vous envoyer une carte postale d'un endroit d'où vous n'êtes pas? Bah, comment je sais pour l'envoyer si j'y suis pas? Allez, merci d'être venu sur ce plateau. Les 5 tentations de Thomas Kloster, c'est le 4e roman de Luc Girer et manifestement ça a beaucoup plu à Sophie. J'ai aimé. Parfait, merci à vous. Merci beaucoup. En France, on n'imagine pas cette situation. Il y a près de, écoutez bien, 14 millions de célibataires, soit un Français sur 5. Parmi eux, beaucoup dépriment et vont parfois même sur des sites porno. Mais d'autres plus sérieux vont sur Internet pour des sites de rencontres. À l'heure actuelle, 4 millions de Français cherchent l'âme sœur sur la grande toile, surfent sur Internet, sur la toile, comme on l'appelle, et certains finissent par se taper leur souris. Mais d'autres trouvent l'amour, se marient même, font des enfants et divorcent. Quelques années plus tard, ça arrive aussi. Avant, on draguait en boîte, au restaurant, au café, au boulot. Maintenant, c'est chez soi, derrière son clavier, que ça se passe, grâce aux sites de rencontres. Et ils sont de plus en plus nombreux à le faire, hein, Stevie? Nous allons tester ensemble la directrice marketing Europe d'un grand site de rencontres. Au mois de février dernier, elle a sorti Mail Connection, la conversation planétaire. C'est au diable Vauvert. Voici Cécile Moulard. Bonjour Madame Moulard. Bonsoir. Cécile Moulard qui a publié donc ce livre, La conversation planétaire, Mail Connection. Et il a réussi. Et voilà, vous êtes vous en tout cas la créatrice d'un site internet qui fonctionne très bien. Alors j'aurais bien aimé le créer. En fait, je suis venue appuyer des gens qui y avaient pensé avant moi. Oh là là. Et là oui, là. Malheureusement. C'est pas, c'est pas vous qui touchez le pognon. Ah, quand même si. Ah, quand l'un n'empêche pas l'autre. Vous le gérez, ça. C'est ça. Mais alors les inscrits, ça veut dire qu'ils viennent régulièrement sur votre site pour essayer de rencontrer des gens ou est-ce qu'ils s'inscrivent une fois puis ils reviennent jamais? Il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui arrivent, qui sont très très utilisateurs pendant un certain temps,
qui peut-être font une rencontre et qui, après tout, juste qui est notre objectif. On est là pour favoriser attention, ce rencontre, moment-là. Attention, rencontre d'un soir ou rencontre d'une vie? Eh bien, alors là, c'est nos utilisateurs qui font bien ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent. C'est une manière de s'aborder. Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de mensonges aussi sur Internet? Des photos qui ne correspondent pas, des mecs qui disent, ou des nanas, je suis blond, blonde, brun, grand, 1m80, puis vous avez un gros de 75, 750 kilos, enfin, j'en sais rien. Il y a beaucoup... Est-ce que ce n'est pas dangereux aussi? Alors, il y a plein de choses dans vos questions. Hein. Alors d'abord, la première chose, c'est est-ce que les gens mentent? Bah, je pense un petit peu comme dans la vraie vie, peut-être on arrange un peu la réalité. Voilà. Ce qu'on fait nous, et la plupart des sites font ce travail-là, c'est qu'on on valide hein, l'ensemble de ce qui est... Toutes les photos que vous voyez sur le site et toutes les annonces que vous voyez sur le site sont validées par des êtres humains. Ça veut dire que quand on trouve une aberration, quelqu'un qui vous dit que d'après son profil, il a, je sais pas, 45 ans et qu'il envoie une photo, il paraît en avoir une vingtaine d'années. Ah, vous faites rectifier? Oui. Il est idiot s'il envoie une photo de là où il a 20 ans et... Eh ben ça arrive, quelquefois, quand on veut trouver une jolie photo où on est un peu à son avantage, on va chercher un peu dans les fonds de tiroir, donc on prend la plus jolie d'entre elles. Ou on envoie la photo d'un autre aussi. Alors ça, c'est un phénomène plus inquiétant, mais alors, Stevie devrait, j'imagine... On reçoit aussi pas mal de photos de stars qui commencent à être connues. Hein, où les gens essayent. On reçoit des photos de participants à la Starac, à tout ce qu'on veut. Mais alors, sûrement, j'aurais pu vérifier avant de venir. Hein. Mais c'est peut-être lui, il nous l'a déjà dit ici. Ça. Bah, je l'ai même fait chez Laurent. Stevie s'inscrit, il met sa propre photo. Donc, croyez pas que c'est des gens qui prennent sa place, c'est vraiment lui. C'est ça. Ah non, mais moi, je paye pas en revanche. Ah. C'est gratuit. Je vais sur des sites gratuits. Je vois pas l'intérêt de payer pour rencontrer des personnes. Ah bon? Ah ben non, je suis sur des sites gratuits, je me connecte, voilà, je m'appelle... Donc déjà, les radins, vous les trouvez sur les sites gratuits. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça en élimine quelques-uns. C'est pas d'être radin. C'est pas d'être radin, parce que moi, ce que je cherche, c'est quelqu'un de mon âge. Et quelqu'un de mon âge, je passe pas par un site, c'est plus pour les personnes de 40, 45, 50, mais et qui finissent leur vie seule, et qui veulent un site sérieux pour finir leur jour, alors que nous, les jeunes... On s'en fout, c'est juste pour prendre contact, hop, mettre la webcam, se regarder dans la webcam, ouais, putain, enfin, tu vois, voilà. Non, mais attendez, vous savez que... Non, mais alors moi, je voudrais dire... À votre avis, les gens payent pour quoi? La majorité des gens me prennent pour un mytho, parce que j'ai ma photo, je le dis et je le répète, c'est bien moi, avec mon pseudo, à 4 lettres, c'est bien moi. Mais il va y avoir des tas de mecs, maintenant, qui vont prendre votre photo, mettre un pseudo à 4 lettres, et les gens croiront que c'est vous, et ce sera pas vous. Ben oui, mais la photo, je suis malin, j'y ai pensé. Ah. La photo, on voit mon bras, donc je la prends tout seul, la photo. Eh ben, y en a d'autres. Parce que quand t'as une photo... Mais ça change rien, les gens. Si. Les gens peuvent télécharger votre photo et la remettre après sur un autre site. Eh ben oui, oui. Ah merde. C'est excitant, c'est plus excitant. Mais non, mais les gens se disent pas la même chose, c'est ça qui est intéressant. Bon, après tout, quand vous parlez à quelqu'un au téléphone, vous lui dites pas la même chose que si vous le voyez en face à face ou dans une lettre. Et bien sur Internet, on va se dire encore autre chose et d'une autre manière. Quand mais on écrit... Mais essayé, je suis tombée sur des tarés. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Vous avez mal fait votre recherche. Ah, alors vous êtes pas venu. Photo. Qu'est-ce qu'on semble, ça semble, hein. Vous savez que... Caroline, vous avez surfé déjà sur un site de rencontre. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un espèce... Il faut être habitué. La première fois que je le fais, je m'inscris, je reçois... Dès qu'on est une femme, hop, on reçoit tout de suite plein de messages. Et il y a un mec qui me propose... Il était genre 23h. Je te propose qu'on aille chatter dans le parc. Je me dis d'accord. Premier chat, c'est donc un psychopathe qui va me retrouver à 23h dans le parc. Et là, le mec m'explique qu'il y a des endroits pour chatter sur Internet. Le parc, la forêt. Donc voilà. Et donc, j'ai insulté le pauvre garçon, je l'ai traité de tous les noms. Donc, il y a des codes qu'il faut connaître et qu'on découvre très rapidement. Une fois que vous connaissez ces codes, voilà. Puis, vous n'êtes pas obligé de donner votre téléphone. Et puis, je pense qu'il y a des gens très bien. Et comme voilà, dans la vraie vie, il y a une bonne publicité pour... Non, mais c'est génial d'entendre ça. Mais parce que c'est un vrai phénomène social. Il se passe un truc qui est quand même énorme. Quand vous avez sur un seul site 10 millions, ce qui est notre cas, on se dit qu'il ne peut pas y avoir 10 millions, 10 millions de dingues, 10 millions de gens qui cherchent que la baisse, 10 millions... Non, mais le petit gros avantage de ces sites, c'est que quand on est seul chez soi, qu'on n'a pas beaucoup d'amis, mais alors le temps passe à une vitesse. Ouais. Moi, je sais que je me branche des fois vers 22h. Je regarde la montre... Putain, elle est 3h30 du mat, quoi. J'ai l'impression qu'il s'est passé que 10 minutes. Et t'as pas encore baisé. Sophie, ça vous tente? Non.
évidemment, moi je n'ai pas d'ordinateur et ce n'est pas du tout dans mes possibilités. Mais c'est vrai qu'on quand on se parle ou quand on s'écrit, on dit des choses qu'on n'oserait pas dire à quelqu'un en face. Mais cela dit, pour moi, pour ma génération et peut-être pour mon mental, moi, rencontrer quelqu'un, s'il s'enlaille, s'il a les soquettes un peu trop courtes et les ongles rongés, même si c'est un intello, je ne veux pas passer 5 minutes avec lui. Donc c'est, tout ça, tu ne peux pas le voir à travers un écran. Tu peux le demander. Oui. Est-ce que tu pues l'ail? Est-ce que le gars, il va aller... Pancras. Non, moi je suis plutôt à l'ancienne, donc je suis pas très rencontre. Ah bon. Vraiment. Moi je vous voyais bien surfer. Vous. Pas du tout. Oh, non, parce que vous êtes un peu dragueur quand même, Stéphane. Mais d'abord, ce n'est pas vrai. Oui, c'est une légende qui court alors. Attends, je viens de rencontrer quelqu'un, alors ne me casse pas mon cou. Merci. Voilà. Chérie, ce n'est pas vrai. Non, non. Merci Laurent. Voilà. Non, non. Je croyais que vous étiez encore célibataire, pardon. Non, 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 pas du tout. Oh, à l'époque où vous étiez célibataire. Non, mais ça change. Qu'est-ce que vous draguiez? Non, mais arrêtez, c'est pas vrai. Mais non, mais vous m'emmerdez tous. Oui, je... bon, quoi, et alors? Oh, alors, ça va, non? Bon. Ah ouais. Même moi, j'ai cru que j'allais y passer. Ça, c'est vrai. Non, il est chaud, il est chaud. Alors. Non, mais moi, je sais pas, j'ai du mal par Internet. Parce que moi, j'aime bien justement le contact, le dialogue, le fait d'avoir des discussions un peu longues. Ah oui, bien chiante en plus. Politique. Non à la Constitution. Non à la Constitution. Mais vous êtes insupportable. Vous êtes insupportable. Ça, c'est d'ailleurs amusant parce que... On demande, pour préparer cette émission, hier, je suis allé sur un site internet et j'ai vu que... Alors, ça, j'avais jamais vu ça, qu'on demandait à chacun les goûts des uns et des autres. Alors, la plupart des gens, j'ai regardé, disaient... Pas la politique, pas la politique, pas la politique, alors, pas la politique. Tu comprends pourquoi je... aucune chance. Mais bien sûr. Ah mais c'est dingue. Mais en revanche, il n'y a rien sur l'ail. Donc, mais je pense qu'il faut qu'on le rajoute. Il faut développer, oui. Il faut développer la gousse. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Christophe, vous y allez, vous? Quand on voit le nombre de célibataires, qu'on voit le nombre de divorces, l'être humain est quand même... quand il est seul, il cherche absolument à trouver quelqu'un. Et quand il est marié, il cherche absolument... Il voudrait retrouver une certaine solitude. Alors, mais pour l'instant, j'ai encore pas vu de site avec « Débarrassez-vous de votre partenaire ». À mon avis, ça marcherait. Si, vous avez ça. On va avoir un témoignage sur ce plateau. De toute façon, je vais vous demander de vous installer à côté de Caroline Diamant, puisqu'on a demandé à quelqu'un de venir, oui, à côté de Caroline. Vous fait peur? Non, pas du tout. Voilà, installez-vous à côté de Caroline. Un témoignage, puisque nous allons avoir la chance de recevoir quelqu'un qui est habitué des sites de rencontres sur Internet. Elle s'appelle Anne-Sophie de la Coquillette. Oh là là! Bonsoir! Bonsoir les amis! Hop là! Bonsoir! Bonsoir à tous, je suis ravie! Bonsoir! Alors comme ça, vous cherchez un homme sur Internet? Ah non, pas moi, grand Dieu, vous êtes fou! Ah bon? Ah non, comme vous le savez, moi je suis une épouse heureuse et comblée. Hein, Jean Childebert, mon époux... Et moi-même, filons le parfait amour. Depuis qu'il est décédé, il n'y a plus l'ombre d'un conflit entre nous. Ah bon? Ah non, ça nous a fait un bien, ce décès. Ah, je vous assure, on est bien plus... Depuis qu'il est empaillé, on l'entend moins, sa grande gueule sur son perchoir. Hein? Non, on est heureux comme tout. Pourquoi vous surfez si c'est pas pour vous, alors? Eh bien, c'est pour mon fils, tout simplement. Figurez-vous que je me suis mise en quête de lui trouver une partenaire d'apparence humaine, cette fois-ci. Hein? Non, parce que j'estime quand même, dites donc, à l'aube de ses 33 printemps, quand même, il est temps qu'il goûte aux joies du béguin, du flirt, du French kiss. Hein? Enfin, il est temps qu'il aille chatouiller de la glotte, comme on dit. Ah oui, non, d'autant qu'en ce moment, d'étranges pulsions l'habitent, vous savez. Ah oui, dites donc, non, l'autre jour, je l'ai quand même surpris en train de piner avec Doll. De dîner avec Paul, hein, j'ai contrepété, imbécile. Vous êtes vulgaire, hein. Vous adorez ça. J'ai pas compris. Non, mais vous n'écoutez pas ce que vous dites. Ah, si. Mais vous êtes vulgaire. Si, si. Non, je l'ai surpris en train de dîner aux chandelles avec Paul, notre sanglier domestique. Ah. Il lui avait enfilé une paire de bas et mon plus beau porte-jartel. Vous savez, celui que je mets quand vous passez à la maison. Non, mais dis donc. Attendez, j'ai dû... J'ai dû l'abattre. Il m'avait filé... Le sanglier il m'avait filé une maille, dites donc.
Ah, il est fou, je l'ai fourré au mori, on l'a dîné le soir même, on s'est régalé. Est-ce que c'est vous qui sélectionnez les mails pour votre fils? Ah oui, tout à fait, je sélectionne les jeunes filles en tout cas. Ah, oui. Pourquoi? Parce que vous savez, je suis une as de l'informatique, vous savez. Ah, oui. Hein, ah, j'ai tâté du MS-DOS quand j'étais jeune et aujourd'hui je taquine Windows 84 comme personne. Hein. Ah oui, avec ma petite souris comme ça, tac tac tac. Une vraie, hein? Oui, je l'ai empaillée, je lui ai enfilé un câble USB dans la nuit et ça trotte, hein? 512 mégabits de vitesse de transfert, dites donc. C'est pas rien. Et alors là, je me suis inscrite sur un site. Ah, voilà, voilà. J'ai pris un pseudo, comme vous faites, un pseudo anglo-saxon, c'est la mode, hein? Big Cock. Hein? Oh. Rapport à la volaille, imbécile! Gros poulet, gros coq, c'est ludique, voilà. Eh oui, hein? Et là, je chatte. Ah, je chatte. Je chatte toute la sainte journée, je me mets à la recherche de sa dulcinée, de sa vierge effarouchée, hein, de sa tendre. Ah, il faut qu'elle soit vierge, elle aussi. Oh, oui, j'aimerais bien. Ça est-ce que vous avez mis la photo, alors, de votre fils? Oh, grand Dieu, non, c'est un vrai laidron. Ah, non, je ne peux pas, non, il a la tête de Raffarin jeune, alors vous imaginez. Oh, non, c'est moi qui m'y colle. Non, c'est moi qui m'y colle. Vous mettez votre photo. Ah non, je m'installe devant ma webcam. Vous voyez, et je me grime en garçon. En fait, je m'affuble d'une moustache. Enfin, je ne me rase pas pendant quelques jours. Ah oui. Et voilà. Et là, je discute avec les tourterelles. Je les séduis, je leur fais la cour. Hein. Je leur parle de poésie, littérature, taxidermie, nécrologie, la vie, quoi. Je les fais rêver. Alors, hein? Est-ce que vous avez trouvé pour votre fils la perle? Ouf. Alors, je vais vous dire, la perle, c'est pas demain que je vais la trouver, parce que la perle, il n'y en a pas deux, hein? La perle, il n'y en a pas deux, vous comprenez? Comme bien sûr. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça va, ça fait tout le sketch que t'as fait la gueule, donc c'est bon, quoi. Si tu peux essayer de d'y mettre un tout petit peu du tien, tu sais comment c'est difficile, en plus. J'ai pas fait la gueule. Quoi? Mais t'as pas esquissé un mais sourire, non, on t'es était payé juste pour en... ça, tu peux quand même faire semblant de t'amuser, quoi, merde. Mais on était juste en train de se faire une réflexion sur le non, dernier truc. Non, je suis désolée, c'est depuis le début, tu le sais très bien. Excuse-moi, on le refera, mais je suis désolée, là, vraiment, ça me gaffe, quoi. Vraiment, Christophe... Non, mais attends, si t'es fatigué, t'es fatigué, c'est pas de ma faute. C'est toi qui es fatigué, putain, on fait le même métier, tu peux avoir un peu de compassion, merde. Non, mais déjà tout à l'heure, tu me faisais... Mais putain! Mais non, mais il faudrait rire sans arrêt! Rappelez Anne-Sophie de la coquillette! Non, mais moi je veux bien la lâcher, je vais. Oh, les gonzesses! Putain! Bon, ça arrive! Ça arrive rarement, bon. Il faut que ça tombe sur vous, hein! Non, mais alors, c'est-à-dire qu'il cherche! Mais moi aussi. Mais moi, t'avais l'alarme à l'œil. Et ça, c'est terrible pour vous qu'on y ait cru. Je vous le signale, au passage. Mais non. Vous êtes des chiens. Ça prouve. Comédie. Ça prouve que vous avez affaire à deux, une, un comédien et une comédienne hors pair. Ah, moi, je dis, messieurs, dames. Ah, bravo. Ah, oh, les deux idiots! Les deux idiots, on était là! Oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et le pire, j'avais envie de me marrer, attendez, comme ça, attendez, j'étais obligé de faire attendez, la gueule pendant tout le sketch. Vous n'avez pas reconnu, madame? Eh ben quoi? Alors? Rien? Non? Non. Ah, mais si! Alors? Mais je la connais, cette femme, en fait. Moi, je la connais, je sais qu'elle s'appelle, que c'est son vrai nom. Donc Moula? Madame ne tient pas un site internet, il s'agit maintenant de trouver son vrai métier. Ne dites rien. C'est pas vrai. Ben non, évidemment. Ah, trop de blagues d'un coup, tue la blague. Hein. allez. Oh non. Vous dites rien. Hein. Oh non. Le vrai métier de madame. Oh, mais vous êtes cinglé. Non, mais c'est pas tenable. Attends, il faut un psy en sortant d'ici. Comment on peut avoir ? C'est le 1er avril, c'est le 1er avril. Hein. Alors, cherchez. Une question chacun. Ah bon ? Est-ce que c'est un métier intellectuel ? Forcément. D'accord. Stéphane ? Est-ce que vous aviez un lien de parenté avec Jean-Pierre Raffarin ? Je cherche. Non, on peut dire. J'ai pas trouvé pour l'instant. Caroline ? Est-ce que vous êtes transformiste ? J'ai mal au dos. Christophe ? Moulard, c'est pas votre vrai nom. L'inverse non plus. L'armeau. Christine. Non, mais moi, je suis traumatisée. Je sais pas, vous êtes comédienne ou pas d'abord? Ah,
Forcément. Vous êtes forcément comédienne, parce que sinon vous ne pouvez pas faire ça. Donc, hein? Je peux pas dire parce qu'après. C'est répondre par oui ou par non. Est-ce que vous êtes comédienne? Non, on peut dire non. Stevie. Est-ce que vous êtes japonaise? Alors là, Stevie. Ah, moi, je suis scotché sur rescotché sur rescotché sur rescotché. Donc ce soir. Alors, je vais vous dire exactement le métier de madame. Elle est directrice marketing Europe du site de rencontre dont on ne peut pas donner le nom. Oh. Elle vient de publier chez Mail Connection la conversation planétaire au diable vent vert poisson d'avril. J'avais compris, mais j'ai rien dit. On applaudit, on remercie encore madame Cécile Boulard. C'est comment elle a joué ce truc. Et toi aussi, hein. Parce que tu disais, mais enfin... À partir d'aujourd'hui... Et jusque dimanche, c'est le CID Action, un grand rendez-vous qui, comme chaque année depuis 1994, donne aux acteurs de la lutte contre le sida l'occasion d'agir, d'essayer d'agir pour faire avancer la recherche, pour venir en aide aux malades et développer la prévention. 9 chaînes de télévision et 5 radios sont mobilisées pendant 3 jours pour parler de cette opération. Et nous allons nous aussi essayer d'en parler avec quelqu'un qui accompagne le CID Action depuis sa création. Il s'agit d'une comédienne qu'on aime bien, Clémentine Célarier. Petite graine, hein. Solidarité, bonjour. Il fait sa distribution de petits rubans rouges. Je peux d'ores et déjà, pendant ce temps, vous indiquer que c'est le 110 qu'il va falloir composer pendant ces 3 jours, même plus, jusqu'au 8 avril. Vous pouvez téléphoner au 110 et promettre vos dons, et ensuite évidemment les verser ces dons, mais jusqu'au 8 avril, vous appelez le 110, 3 numéros à composer sur son téléphone, c'est tout simple, ou encore par internet www.sidaction.org. En tout cas, merci de nous recevoir, en fait, parce que moi, c'est pour moi, hein, c'est moi, je... Marraine, une ambassadrice. C'est vachement important, en fait, c'est essentiel, en fait, c'est même pas important. C'est essentiel parce que c'est vrai que dans certains esprits, d'ailleurs, quelqu'un comme Claude qui était ici sur ce plateau, on l'a très vite démenti, a dit l'autre jour, « Ah mais non, c'est fini, sida, on n'en meurt plus. » Alors, c'est pas vrai, on en meurt évidemment toujours du sida, hélas. Dans nos pays occidentaux, moins grâce à la trithérapie, qui est difficile à supporter évidemment par les malades, mais il faut savoir qu'en Afrique, c'est toujours un énorme fléau, évidemment. Tout le monde, d'abord, ne bénéficie pas de la trithérapie, et puis la trithérapie, hélas, n'aide pas toujours à survivre, même si évidemment on a fait beaucoup de progrès dans ce sens. Oui, en fait c'est une catastrophe, quoi. C'est un fléau. Par exemple, pendant qu'on parle, il y a par exemple 6 personnes qui meurent du sida pendant une minute, par exemple, c'est dans le monde. Alors bien sûr, en Afrique beaucoup, mais ici aussi, il y a de plus, c'est monstrueux. C'est-à-dire que, comment vous dire, il n'y a plus du tout de campagne de prévention, ni dans les écoles, ni dans les cours d'éducation sexuelle. Tout le monde croit, comme vous l'avez dit, que la trithérapie a été un remède, alors que non, bien sûr, ça pousse la mort, quoi, ça repousse la mort. Mais en fait, c'est-à-dire que moi, au fur et à mesure, tu sais que je suis là-dedans, mais c'est vraiment une catastrophe, quoi. Parce que quelquefois, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Bon, je le fais aussi parce qu'il y a plein de gens, l'année prochaine, je pense qu'on sera encore plus, qu'il faut faire pas un seul baiser, qu'il faut qu'on soit au zénith et que tout le monde s'embrasse sur la bouche. Tiens, en fait, j'ai pas embrassé. Voilà, comme ça, c'est fait. Non, mais bon, non, mais la solidarité... T'es prête à n'importe quoi, toi. Tous les moyens sont bons. Ah oui, non, mais la profiteuse. C'est vrai que vous êtes la marraine idéale. Oh, tout le monde se souvient évidemment de ce baiser. C'était lors du premier CID Action, on a beaucoup reparlé depuis. Et ça a donné d'ailleurs l'idée, je ne sais si c'est de là qu'est parti le slogan de cette année, mais c'est un beau slogan, un peu violent c'est vrai, mais un beau slogan. Le sida, il faut le baiser, hein, c'est le slogan de cette année. Et l'idée de ce clip aussi, où des tas de personnalités s'embrassent, et c'est une sorte de chaîne de solidarité et d'amour qu'on essaie de lancer cette année. Oui, c'est ça, c'est comme si... Parce que ce baiser, il était rediffusé tout le temps, ce baiser que j'avais donné à Patrice Janiot. Il y a plein de gens encore qui pensent que ça t'attrape en touchant, hein, comme ça, par la bouche ou tout ça. C'est pour ça qu'on a... Parce que si vous demandiez là aux gens de le faire, par exemple... Embrassez-vous tous sur la bouche, allez-y. Allez, allez. Ah, voilà, c'est bien. Voilà, voilà.
Allez, Stéphane, voilà. Avec Caroline. Encore? Oh ben ça va, mais bon. Voilà, Stevie. Moi, je suis d'accord, mais avec la langue. Allez, Christine, oh, avec merde, Stevie aussi. Ça. Ah. Non, Stevie. Oh. Voilà. Christophe avec Stevie, allez. Voilà, c'est bien, voilà. Un extrait du clip. Le sida, il faut le baiser. Celui-ci simple de se toucher, c'est le moindre regard qu'on puisse projeter, celui de l'amour et du respect. C'est la moindre idée qu'on puisse développer, celle de se rapprocher, pas de se rejeter. C'est la moindre action qu'on puisse déclencher. Le sida, il faut le baiser. Ah oui, ah, franchement, on regrette de ne pas avoir été contacté parce que franchement, il y en a quelques-uns qu'on serait bien allé embrasser sur la bouche, ouais. Là, dans l'eau. Pas vous, Caroline, franchement. Si, absolument. J'étais contente que... C'était comme une bulle d'amour et de... Il n'y avait rien, vous savez, qui nous séparait, quoi. Il y avait toutes les races, toutes les cultures. Il y a peut-être pas trop d'Asiatiques, parce qu'on ne connaît pas trop, quelquefois, des Asiatiques. Ah, demandez à Stevie, il y en a qui viennent chez lui régulièrement. Non. 110. Trois chiffres. Sur le téléphone. Allez, mec. Oui, c'est vrai que dans toutes les campagnes qu'il y a eu pour le sida, il y a un truc qui m'a dérangé un peu, c'est que souvent, on avait... c'était pas fait exprès, mais de fait, c'est que l'amour était lié à la mort. Et il y a toute une génération comme ça, celle qui commençait à faire pouet-pouet quand le sida est arrivé, qui peut-être, dans leur tête, ont eu, c'est vrai, un tas de comportements de changer. Et moi, j'aime bien ce clip parce que d'abord, les gens s'embrassent, et d'une. Dedans, il y a le mot baiser, ce qui est important, ça peut donner des idées. Et ce qu'il faut dire, faites attention, faites gaffe, mais continuez de baiser. Et de vous aimer et de vous éclater. Pas, ne confondez pas, quoi. Parfait. Avec ça. Il y a un nouveau... Il y a un nouveau modèle. Non, mais enfin, je vous le montre parce que c'est super, je trouve. Non, c'est-à-dire, donnez-moi vos doigts, Laurent. Voilà, ah, vraiment, c'est justement pour les doigts que j'en ai besoin. Non, voilà. Ça, tu vois? Ça se déroule d'un coup. Vous savez pas le faire avec la bouche? C'est génial avec la bouche. Non, mais il faudrait, nous, on voudrait l'année prochaine faire des clips. Mais voilà, il faut apprendre aux gens, il y a des façons ludiques de mettre une capote et un préservatif. Non, mais il faut que les filles aussi, c'est vrai, parce que bon, on parle. Moi, je n'ai pas de mari, par exemple, si vous voulez. Bon, je n'en cherche pas. Mais je ne suis pas casée, on va dire. Bon, et du haut de mes 47 ans, quelquefois. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Enfin, ça va pas, non? Enfin, il est bien, lui. Non mais juste pour dire que en fait j'avoue qu'il m'est arrivé, mais avant là, de faire l'amour sans préservatif. Je le confesse. Et je pense que je ne suis pas la seule. C'est pour ça que j'en parle. Et que aujourd'hui, je vous dis à tous, quoi, enfin, comme tout le monde, que c'est carrément un suicide. C'est un suicide. Parce que je pense qu'il faudrait, l'année prochaine, on voudrait faire un clip avec une espèce de façon d'approcher le sexe sans être trop sexuel pour que ça puisse passer sur toutes les chaînes, l'éducation sexuelle, comment... Les femmes, c'est vrai qu'on doit aussi, nous, parce que les mecs, il paraît que c'est difficile pour eux quand même. C'est quelquefois difficile. Elles devraient les aider. Non, mais comme vous avez dit, que ça devienne normal. C'est même en amont. Il faut le mettre, le préservatif, mais il faut aussi en avoir sur soi. Oui, absolument. Le truc le plus insupportable, c'est de rencontrer une fille. Oui. Et parce que toi, t'es un mec, t'es censé, toi, avoir un préservatif. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est très compliqué parce que tu vas voir une nana au moment où tu. Attends, mais non, c'est pas ça. Au moment où tu sors ton préservatif, tu peux difficilement lui faire croire que t'avais rien prévu. Alors que si toi, t'as un préservatif et qu'elle, elle en a un, comme ça, personne ne se moque. C'est vrai que ça fait rappeler l'âge de ton fils, toi. Le préservatif devrait faire partie, et il faut qu'on s'applique à l'un, des préliminaires, tu vois. Parce que pour moi, en fait, du coup, encore plus maintenant que jamais, tu fais l'amour avec un homme, ou une femme, selon, et tu lui donnes plus d'amour si tu mets un préservatif, en fait. Et tu lui donnes moins d'amour si tu n'en mets pas, parce que si tu n'en mets pas, tu risques de lui refiler la mort, quoi. Voilà, parce que voilà. Oui, il faut faire l'amour.
Bon, vous permettez qu'on s'intéresse un peu à vous quand même, Clémentine. Et c'est Stevie qui a regardé un petit peu vos déclarations. Ouais. On commence par une déclaration dans Le Parisien. Madame Songène, c'est moi. Et un peu plus tard, dans François, en la même année, en 2001, dans la vie, je ne suis pas du tout Madame Songène. Alors, et c'est les deux, en fait, la réponse. Parce que Madame Songène n'est pas Songène, en fait. Elle est juste impulsive. Donc, si tu veux, elle dit là, mais elle n'est pas sans gêne du dans le genre provoque. C'est ça que je veux dire. Je ne suis pas du tout provoque, moi. Je fais... Tout ce que je fais comme connerie, c'est par connerie. Allez, suivante. Octobre 2000, le mariage, je trouve ça chiant et pas original. Je n'ai aucune envie de me marier. Septembre 2003, je voudrais me marier, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Alors, la première fois, ça devient ce que je vais être en train de me séparer de mon mec, si tu veux. Donc, il me faisait chier. Et puis, la seconde, c'est que je devais être amoureuse folle au début d'une relation. Tu sais comment c'est? Suivante. Décembre 2003, j'ai enfin confiance en moi. Avril 2002, le doute a toujours été mon fonds de commerce. Mon fonds de commerce, ça, c'est un mot. Quand on lit tout, ça, c'est fonds de commerce, c'est un mot que je n'utilise jamais. Donc ça, c'est un mot du journaliste qui, lui, donc avoir un fonds de commerce. Mais je doute tout le temps. Mais moi, maintenant que j'ai 47 ans, parce que donc là, avril 2005, je doute de moins en moins. Suivante. J'ai toujours dans ma table de nuit une indispensable crème de nuit à l'abricot. Mars 2001, la meilleure crème de nuit, faire l'amour. Ben oui, mais quand tu n'as pas de quoi faire l'amour, autant avoir la crème autant, à l'abricot. Autant voilà. Allez, on va réafficher une dernière fois le site internet www.cdaction.org et les trois chiffres qu'il faut retenir, ou le nombre si vous préférez. 1, 1, 0 sont les trois chiffres. 110, c'est facile à retenir. C'est jusqu'au 8 avril, vous téléphonez et vous promettez vos dons. Merci Clémentine. Merci pour le site d'action. Restez encore 3 minutes, le temps du kick à déconner. Vous dites que vous avez une bonne constitution. Eh bien, le changement dans notre kit qu'a déconné cette semaine, on regarde le classement, on fait toujours un bilan le vendredi, c'est que c'est Giscard qui est passé en tête du kit qu'a déconné cette semaine avec 550 points. Peu de changements derrière, hein, je ne vais pas vous faire la liste, on retrouve les mêmes, Guémard, Fabius, Chirac, Ali Lodzic, et puis Emmanueli, Tiberi, Bush, Sarkozy, Hollande. Là, je vous propose deux noms américains. D'abord, une dame qui s'appelle Anna Nicole Smith. Elle avait épousé un milliardaire. Racontez, Stevie, qui c'est là. Elle a épousé un milliardaire. Elle, à l'époque, je crois qu'elle avait 24 ans, et puis le milliardaire, 88 ans. Et bah, tout ça pour l'héritage. Hein. Et alors, il est mort et elle a hérité? Il est mort. Alors oui, si. Elle a quand même touché de l'argent, mais il y a procès sur procès sur procès. Avec la famille. Voilà, avec les enfants, du milliardaire. En attendant, voilà, elle passe le temps à jouer les bonnes. Il est mort assez vite après le mariage, il faut dire. Oui. Quand même, il faut préciser. C'est que ça épuise. Elle se déguise en lapin, mais elle épouse des maris pas durables. Alors, elle est blonde. Elle aime le rose. C'est une ancienne grosse. Je lui mets 0 point. Stéphane. Je mets 0 point par solidarité avec Caroline Diamant. Sophie. Moi, je lui mets 30 points parce que je l'appellerai plutôt Anna Racole Smith. Wow. Christophe. Bah, 0 point. Si elle fait ça pour se faire connaître, avec moi, elle a réussi parce que je ne savais pas du tout qui c'était. Moi non plus. Christine. Allez, un peu de gentillesse, c'est Pâques, c'est la saison des œufs. Donc. 0 point, Stevie. 30 points pour sa vulgarité. Elle a des gros œufs, hein. Clémentine, combien? Moi, je mets 30 points parce que se faire connaître, je trouve que c'est pas terrible comme but en soi dans la vie. Total pour Anna Nicole Smith, 90 points. Alors, quelqu'un. Ouais, c'est génial. Quelqu'un qui a fait preuve d'humour. Alors, elle a déconné, pour s'amuser. Mais est-ce que vous trouvez que c'est amusant ou pas? C'est Demi Moore qui, avec... Qu'est-ce qu'il est mignon. Avec Ashton Kutcher, son mec, qui a... Alors, je sais pas combien il y a d'âge, d'années de différence. 20 ans, il paraît. 20 ans de différence entre elle et lui. Bah, pour se moquer de ça, elle dit, je vais venir en vieille sur le plateau, aux côtés de mon chum, comme disent les Québécois. Ouais. Et regardez ce type pas mignon, comme ça. Génial. Moi, je trouve que c'est une vraie preuve d'humour de sa part, Demi. Et en plus, elle est arrivée avec un déambulateur. Oui. Et je dois dire qu'aucune star française ne serait prête si, à faire autant. Si, moi, j'aimerais bien le faire. Mais il faut trouver le jeune mec. Vous trouvez le jeune mec. Enfin, écoutez, vraiment. Non, ça, c'est génial. 0 point. C'est magnifique comme humour. Ouais. 0 point. La différence d'âge ne me pose aucun problème, n'est-ce pas, Clémentine?
Zéro point. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous connaissez? Non, il lui fait une proposition. Sophie. Zéro point, parce que demande à une vieille de se déguiser en teenager. Tu vas voir, c'est plus difficile. Ça, c'est bien. Christophe. 30 points. Je sens un consensus général autour de cette histoire. Oh! Je lui mets 30 points parce que vu ce que ça me coûte d'effort pour avoir l'air un peu jeune, je trouve que c'est une insulte quand on est jeune et belle comme elle de vouloir faire mamie. Son déguisement, toi, ce serait parfait. Stevie, combien? Moi, 0 points parce que je la trouve même très belle mamie. Oh. Ah oui, c'est vrai. C'est une belle mamie. Ouais. Combien, Clémentine? Ah ben moi, je trouve ça génial parce que, comment dire, il m'arrive, enfin, dans ma vie, quand je rencontre des hommes, ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Non, je rigole. Forcément, ils sont plus jeunes que moi parce que je ne vais pas les traîner avec des vieux de mon âge. Et puis, c'est comme ça, et puis je le suis encore. Donc, je trouve ça génial de faire ça. Je suis un peu jalouse. J'aurais aimé faire la même chose. Total pour Demi Moore, seulement 60 points à cause de Christine et Christophe. Allez, le site d'action, c'est pendant 3 jours. 3 jours, des chaînes de télévision et de radio se mobilisent pour vous en parler, mais c'est jusqu'au 8 avril si vous souhaitez donner le 110. C'est le numéro qu'il faut retenir à composer sur votre téléphone 110. Merci Clémentine. Merci à vous. Bye bye, bon week-end sur France 2.